Le numéro 10 allemand et l'attaquant français ont eu une grande influence sur le jeu offensif, flamboyant par séquence, de leur équipe, laissant le soin à leur acolyte gabonais, désormais meilleur buteur du championnat, 12 réalisations, de matérialiser leurs prestations au tableau d'affichage. Aubameyang frappe deux fois, Lacazette et Özil aussi décisif point à la baguette, Özil a rapidement retrouvé ses marques, distillant une passe magique en profondeur vers Seiya de Kolasinac, à l'origine de l'ouverture du score d'Aubameyang d'une reprise du droit au cœur de la surface adverse. 1-0, 14e. Très en jambes et utile dans le jeu, Lacazette a quant à lui parfaitement servi sur le même Aubameyang qui a envoyé un missile du droit sous la barre pour le but du break à la reprise. 2-0, 48e. L'international français s'est ainsi offert sa deuxième passe décisive consécutive en championnat, la quatrième de sa saison en Première Ligue. Dangereux jusqu'à la dernière minute, Özil a réalisé un petit festival dans la surface adverse et a servi involontairement d'un tir contré à Alexis Wolby, entré en jeu à la place d'un Lacazette assez frustré de ne pas terminer la rencontre, qui a clos le score, 3-1, 90e plus 1. Entre-temps, Ashley Barnes avait réduit le score, profitant d'un cafouillage dans la surface d'Arsenal pour fusiller de près Bernd Leno, 2-1, 63e. Malgré une fébrilité défensive toujours aussi évidente, les Gunners ont donc renoué avec le succès, restant ainsi au contact avec le top 4. Provisoirement à égalité de points avec Chelsea, 4e, et à deux longueurs de Tottenham, 3e, qui n'ont pas encore joué, ils restent plus que jamais dans la course à la Ligue des Champions.